Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo parce que l'autre fois je vous ai fait un fichier audio et ensuite j'ai réalisé que pour Yanis et Louis c'était peut-être pas évident d'avoir l'audio sans avoir ma tête et surtout ma bouche qui parle. Donc je vous fais une vidéo que vous n'êtes pas obligé de regarder vu qu'il y aura que moi, ce sera pas intéressant mais vous pouvez l'écouter. Pourquoi une vidéo? Pour vous expliquer la fiche d'exercice que je vous envoie aujourd'hui. Je vous fais pas encore la correction de ceux de la semaine dernière parce qu'il m'en manque encore. Donc ceux qui me l'ont pas envoyé, dépêchez-vous de me l'envoyer. Et comme ça, je vous fais la correction dès que je reçois tout. Et donc là, je vous donne du travail pour mercredi. Donc vous avez, là il est midi, vous avez 2 jours et demi. Je pense que ça va le faire. Je vous ai mis quoi? Je vous ai mis des exercices de révision sur les synonymes et les antonymes. Donc les synonymes, c'est les mots qui ont le même sens. Et les antonymes, c'est les contraires. Je vous explique la fiche un peu à la fois. Donc, j'ai écrit objectif. Enrichir son vocabulaire en utilisant des synonymes et des antonymes. Pourquoi? Parce que plus vous aurez l'habitude de chercher des synonymes et des antonymes aux mots que vous utilisez, plus vous aurez un vocabulaire varié et quand vous écrirez une rédaction ou n'importe quel texte, vous pourrez, quand vous répétez par exemple plusieurs fois le même mot, pour essayer de varier un peu, pour enrichir le texte, et ben vous le remplacez par un synonyme. C'est à ça que ça sert de s'entraîner à chercher les synonymes et les antonymes à chaque fois. Je vous ai mis une petite définition. Les synonymes sont des mots de sens identique ou de sens proche appartenant à la même classe grammaticale. Pourquoi j'ai précisé appartenant à la même classe grammaticale? Parce que vous pouvez pas me dire que. Donc ça veut dire même nature de mot. Un nom peut pas être synonyme d'un verbe. Par exemple, je sais pas. La course, c'est pas synonyme de courir. C'est deux choses différentes parce qu'il y en a un qui a un nom et l'autre c'est un verbe. Par contre, courir, ça peut être synonyme de se dépêcher. Enfin, pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois, ce sera, par exemple, froid et glacial. Bon, c'est pas vraiment des synonymes parce que glacial, c'est plus fort, mais bon, froid et glacial, c'est tous les deux des adjectifs, donc même classe grammaticale. Tandis que froid et froideur, ça marche pas. Je sais pas si c'est clair. Comme exemple, je vous ai mis une mer forte, c'est comme une mer agitée, c'est comme une mer houleuse. Donc forte, agitée et houleuse, ça veut dire la même chose dans cet exemple. Un enfant calme, c'est comme un enfant sage, c'est comme un enfant tranquille. Donc calme, sage et tranquille sont synonymes dans cet exemple. Premier exercice. Vous devez, je vous ai mis, vous devez refaire les couples de synonymes. Vous avez une liste, vous avez vaillant, sympathique, construire, tranquille, automobile et acteur. Et il faut, et ensuite vous avez comédien, bâtir, paisible, voiture, courageux et gentil. Et il faut remettre côte à côte les mots qui ont le même sens. Comédien, ça veut dire la même chose que quoi? Ça veut dire construire ou ça veut dire automobile? Voilà. Je pense que vous avez compris. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est, je vous ai mis des listes de mots qui ont le même sens, sauf un intrus. À chaque fois, il y a un intrus qui n'a rien à voir et il faut le trouver et le barrer. Dans la première liste, vous avez regarder, examiner, observer et entendre. Il y en a un qui n'a rien à voir. Vous trouverez facilement, je crois. La deuxième liste, c'est magnifique, splendide, terrible, superbe. La troisième, c'est briller, assombrir, étinceler et illuminer. Et la quatrième, c'est exact, certain, incorrect et juste. Donc à chaque fois, vous barrez le mot, l'intrus. Ensuite, troisième exercice. J'espère que je vais pas trop vite. Troisième exercice. Il faut réécrire les phrases en remplaçant le verbe faire par un synonyme. Par exemple, première phrase, Maxime fait 1,75 m. Alors, comment on pourrait dire la même chose, mais sans dire faire? Maxime, 1,75 m. Autre chose que faire. Deuxième phrase, ce réalisateur a fait un nouveau film. Pareil, comment on pourrait le dire sans dire faire? Ce réalisateur a un nouveau film. Troisième phrase, Amélie a décidé de faire un roman.
Même chose, Amélie a décidé de un roman. Et quatrième phrase, les enfants font un dessin. Pareil, les enfants ont un dessin. Et enfin, cinquième phrase, Marina a fait une bêtise. Marina a une bêtise. Là, dans cet exercice, vous voyez vraiment à quoi ça sert de s'entraîner à trouver des synonymes, parce qu'on a tendance, quand on écrit, à toujours utiliser les mêmes mots. Par exemple, faire, c'est un mot qu'on utilise tout le temps en français. Et là, on s'entraîne à le remplacer par autre chose pour éviter de toujours dire faire, faire, faire. Il y a plein d'autres mots qui peuvent dire la même chose et qui permettent de varier. Quatrième exercice, il y a un petit texte extrait des contes des Mille et Une Nuits. Et il y a quelques mots que j'ai mis en gris dedans. J'ai écrit souligné, mais ils ne sont pas soulignés, ils sont en gris. Et donc, les mots qui sont en gris, il faut leur trouver un synonyme. Le texte, c'est qui ne connaît pas la belle Scheherazade? Quel enfant n'a jamais été fasciné par le génie de la lampe merveilleuse d'Aladin? Quel lecteur n'a pas rêvé d'ordonner à une porte taillée dans la roche de s'ouvrir pour, l'espace d'un instant, découvrir comme Ali Baba une caverne remplie d'or et de pierres précieuses? Et donc, les mots qui sont en gris, c'est belle, fascinée, merveilleuse, rêver, découvrir et rempli. Et bah faut trouver un synonyme à chaque fois pour ces mots-là. Ensuite, on laisse tomber les synonymes et on passe aux antonymes. Ça, c'est du coup l'opposé. Les synonymes, c'était des mots qui avaient le même sens ou un sens proche. Parce que même sens exact, c'est rare, mais au moins presque la même chose, quoi. Alors que les antonymes, c'est des mots opposés. C'est ce qu'on dit, enfin, c'est les contraires. En général, on dit les contraires, mais le vrai terme en grammaire, c'est antonyme. Et donc, définition. Les antonymes sont des mots de sens opposés, facile, appartenant à la même classe grammaticale. Encore une fois, ce sera des mots contraires. Genre, un nom, c'est le contraire d'un autre nom. Un adjectif, c'est le contraire d'un autre adjectif. On ne va jamais avoir un nom qui est le contraire d'un verbe. Par exemple, on ne va pas dire que lent, c'est le contraire de rapide. C'est deux adjectifs. Mais lentement, c'est le contraire de rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire que lentement, c'est le contraire de rapide. Ou si vous voulez, lent, c'est pas le contraire de courir. Courir, ça va être le contraire de marcher ou de marcher lentement. Mais ça peut pas être le contraire de lent. Voilà. Et comme exemple, j'ai mis chaud, c'est le contraire de froid. Facile. Bavard, c'est le contraire de silencieux. Enfin, l'antonyme, du coup. Contraire, antonyme, c'est la même chose. Exercice 5. Retrouver les couples d'antonymes. Comme le premier, mais là, c'est avec des antonymes. Du coup, vous avez apprivoisé, léger, sombre, étroit. Étroit, ça veut dire comme un couloir étroit, un couloir serré. Ou un pull étroit, c'est un pull trop petit. Enfin, vous voyez, c'est un truc. Reculé et difficile. Et ensuite, vous avez avancé, large, sauvage, lourd, clair et facile. Et donc, faut refaire les binômes de mots contraires. Avancé, c'est le contraire de léger, sombre. À vous de retrouver les mots qui s'opposent. Exercice 6. Trouver l'antonyme dans la première lettre est donné. Là, je vous aide un peu moins. C'est qu'au lieu de vous mettre les mots dans le désordre, je vous mets juste la première lettre et il faut le retrouver tout seul. Par exemple, sale, c'est le contraire d'un mot qui commence par un P. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Sale, le contraire de. Agité, c'est le contraire d'un mot qui commence par un S. Au pire, si jamais vous ne trouvez pas le mot avec la bonne lettre, si enfin, vous cherchez, vous essayez, vous ne trouvez pas et que vous avez une autre idée, mettez-moi quand même votre autre idée. Ce sera toujours intéressant à corriger. Rapide, c'est le contraire d'un mot qui commence par un L. Accepter, c'est le contraire d'un mot qui commence par un R. Content, le contraire d'un mot qui commence par un M. Et les. Le contraire d'un mot qui commence par un B. Voilà. Et
C'est fini. Donc j'espère que c'est clair. Sinon, vous me n'hésitez pas à me poser des questions. Dans le mail, je vais vous mettre mon numéro de téléphone. Comme ça, c'est peut-être plus simple que les mails. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un texto quand vous voulez. Donc c'est pas trop tôt ou pas trop tard dans la journée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, vous me le renvoyez pour mercredi. D'ici mercredi 17h, je veux vos exercices. Et comme ça, si tout va bien, jeudi matin, je vous renvoie autre chose pour la deuxième partie de la semaine. Voilà, j'espère que vous allez bien et à bientôt.